Bonjour, voici votre horoscope du jeudi 8 janvier 2015. Les Béliers, avec le soutien dynamique de Mercure et de Vénus dans le signe ami du Verseau, cette journée s'annonce bénéfique pour toutes vos transactions et négociations. Le monde du web vous appartient. Taureau, le trigone du Soleil et de Mercure en Capricorne favorise votre résistance à toute épreuve. Plutôt déterminé, nos amis Taureaux réalisent aujourd'hui une belle performance. Gémeaux, Mercure et Vénus en bel aspect avec votre signe. Vague de succès aujourd'hui, adaptabilité, sens de la répartie et goût du challenge, vous serez à l'aise avec vos interlocuteurs. Cancer, la lune de passage en Vierge sera votre meilleur allié, car les événements de cette journée vous conduiront à réfléchir et à prendre du recul sur un problème. Lion, Mercure opposé en Verseau, vous déploierez une grande activité intellectuelle, car vous essaierez par tous les moyens de mettre au clair une chose complexe. Vierge, la lune rejoint Lilith dans votre signe. S'il existe des conflits que vous n'avez jamais réussi à trancher, cette journée devrait vous inciter à trouver des solutions efficaces. Balance, avec le soutien harmonieux de Mercure et de Vénus en signe ami du Verseau, vous afficherez une réelle confiance. Vous obtiendrez ce que vous voulez. Une journée à ne pas oublier. Scorpion, les déplacements et les contacts joueront un rôle efficace pour obtenir les meilleurs résultats. Soyez persuasif et diplomate et tout ira bien. Sagittaire, Uranus booste votre journée. Très branché et à l'affût d'une proposition plus intéressante, vous resterez disponible et à l'écoute pour agir au bon moment. Capricorne, la lune au trigone du soleil positif. Vous mènerez un défi exaltant avec vos principaux concurrents. De quoi redonner un coup de fouet à votre job un peu trop routinier. Verseau, Mercure, Vénus et Mars de passage en votre signe. Une belle énergie mise au service de vos activités vous aideront à bien les développer. Appui et succès garantis. Et enfin, nos amis Poissons, la lune en Vierge opposée à Neptune chez vous. Une petite grippe, un petit coup de fatigue, ne culpabilisez pas. Prenez du repos, il y a des moments où vous devez écouter votre corps. Bonne journée à toutes et à tous.